Ah, bravo le chien. Ouais. Non, non, c'est vrai. Alors donc moi, bah, donc, je m'appelle Antoine Villetré. Et je joue à Berlin depuis pas mal d'années. Il paraît qu'il faut avoir passé 7 hivers pour devenir berlinois. T'as entendu ça où? C'est une légende urbaine. Ça fait combien d'hivers à Berlin que t'as fait? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que cette année, je fête mes 10 ans à Berlin. On est arrivé à Berlin. Bon anniversaire. Voilà, merci. Mes chansons sont tellement naïves que l'on en rit quoi que j'écrive. J'aimerais décrire des sentiments, mais je ne peux pas. Apparemment, 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 apparemment. J'ai joué dans, vraiment dans beaucoup de cafés. Et en fait, après des salles un peu plus grosses, des premières parties dans des plus grosses salles aussi. Dankeschön, ich bin die 4-4 Band. Et en fait, au fur et à mesure des années, il y a pas mal de gens qui ont suivi. Et c'est sympa parce qu'on retrouve souvent des gens qu'on connaît, ou beaucoup de gens qui reviennent. Et ça fait toujours très plaisir de revoir les têtes connues. Nous voilà à Hermannplatz. Un espèce de centre névralgique. Bah, de plein de choses, parce qu'il y a la Weserstrasse derrière, là-bas il y a Tempelhof, Hasenheide. Plein d'ambiance finalement. En haut il y a Kreuzberg. Pas mal de monde qui se retrouve ici. Et là, c'est là où j'ai habité avec Monsieur Talno. En 2009 peut-être. J'ai passé quelques mois ici et c'était vraiment des super moments parce qu'on allait souvent sur le toit, parce qu'à Berlin il y a beaucoup de toits sur lesquels on peut aller et là c'était un endroit où ça s'y prêtait. Donc, j'ai écrit un morceau qui s'appelle Le jour qui se lève et je l'ai écrit là parce que la lumière passait par la fenêtre. Et voilà, c'est ça, ça m'a inspiré ce morceau. Chaque lieu porte un morceau en lui, c'est ça qui est cool. Le jour qui se lève emporte les rêves, la nuit disparaît, seul est désemparé. La douce lumière du matin m'éclaire, je la laisserai au lit, ma mélancolie. Ouais, oh. Quand je suis arrivé à Berlin, au niveau musical, en fait, je pense que j'ai osé plus chanter sous mon nom, en fait. Mais voilà, moi, je suis venu à Berlin chercher quelque chose d'un peu nouveau. Pour moi, à la base, c'était ça l'idée, et puis maintenant, maintenant j'habite ici. Tous ces horizons, à la déraison, empêchent de vivre, moi je m'y enivre. La douce lumière du matin m'éclaire, mes promesses perdues, j'ai tant attendu, ouais, oh. Moi j'ai appris un jour à jouer de la guitare et j'ai découvert, je crois que je devais avoir 16-17 ans, qu'on pouvait écrire des chansons. Enfin déjà j'ai joué beaucoup de chansons qui existaient, j'ai repris des morceaux et à un moment je me suis mis à essayer d'en écrire et c'était assez magique comme moment où quand tu écris ton premier morceau et tu te rends compte que qu'il y a une forme qui est née et il y a un truc qui est là et que tu peux le jouer à l'infini et c'est très agréable comme sentiment. C'est vrai que si j'avais pas ma guitare, j'irais pas sur une scène. Ça justifie le fait d'aller devant des gens. C'est toujours assez fou quand même. De se dire qu'on va devant des gens sur une scène, c'est pas très naturel quoi. Il y en a pour qui ça allait, mais c'est vrai que pour moi, au tout début, c'était quand même. Il fallait que je prenne sur moi quoi. Et puis maintenant, avec le temps, on s'y habitue et on y prend goût en fait. Auf einer Bank sitzen. Zu denken nur sitzen.
point de vista et mes ocean. Name dear Martivez Morsel. Moi, je suis assez attiré par l'écriture et par les langues en général. Et chaque langue sonne différemment et moi, ça me fascine vraiment. En fait, pour moi, c'est musical, quoi, les langues. Et moi, quand je chante en allemand, c'est plutôt doux. En fait, je l'adoucis un peu pour le rendre... Voilà, parce que moi, je cherche une musicalité des mots. Une grosse partie de mon travail, c'est ça, c'est d'essayer de travailler sur les textes et de les mettre en musique. Voilà. Bis bald. Hervé, Paul, Raphaël am Schlagzeug, Nils am Bass, Amin am Keyboard. Bah, quand on écrit une chanson, il y a plusieurs méthodes en fait. Parfois on part du texte, certains partent d'une mélodie. Ce que moi j'ai souvent entendu, et ce qui chez moi est aussi le cas, c'est qu'il y a quand même souvent une phrase d'accroche, une phrase, une ligne, quelque chose qui marche bien. Et on se dit, ah, j'ai mon premier angle, ma première idée, première étincelle. Et après, on développe autour. Il faut partir de quelque chose, quoi. C'est presque une petite maison ici, hein. On est sous l'arbre. L'arbre ? C'est cool. Il en a vu passer des saisons. Des cris d'espoir, des désillusions. Le vent a fait ployer toutes ses branches, mais chaque printemps lui donne sa revanche. L'être humain est si périssable, l'arbre l'observe avec grand calme. Depuis toujours, il veille sur lui, et l'être humain lui doit la vie. L'être humain, lui, n'en a que faire, autoproclamé roi sur terre. L'arbre aimerait tant que l'homme le voit, mais comment être vu d'un roi ? Il en a vu passer des saisons, des cris d'espoir, des désillusions. Le vent a fait ployer toutes ses branches, mais chaque printemps lui donne sa revanche. Amour transi délaissé, l'arbre continue d'espérer. Il donne son amour sans compter, mais l'homme semble avoir oublié. Il en a vu passer des saisons, des cris d'espoir, des désillusions. Le vent a fait ployer toutes ses branches, mais chaque printemps lui donne sa revanche. L'arbre est la vie, la paix, l'espoir. Il veille du matin jusqu'au soir. Et quand la nuit est arrivée, il reste ici seul à pleurer. Lui qu'en a vu passer des saisons, des cris d'espoir, des désillusions. Le vent a fait ployer toutes ses branches, mais chaque printemps lui donne sa revanche. Il en a vu passer des saisons, des cris d'espoir, des désillusions. Le vent a fait ployer toutes ses branches, mais chaque printemps lui donne sa revanche. Salut.